C'est mon grand-père qui avait créé le gâteau à l'époque, à l'os, et donc c'était sous forme aussi de camembert, mais c'était copraliné à l'époque, vendu déjà dans une boîte en bois, et c'était le petit lossois. Donc voilà, nous avec mon père, on a souhaité développer le petit lossois, mais on a tout retravaillé le marketing, voilà, et on a donné naissance au petit Frenchy. On a notre atelier de fabrication qui est basé sur Armentières, donc dans des ruches d'entreprise. Et nous, on vendait en fait sur les marchés de Noël. On avait fait celui de Lille, à Arras, à Caen, j'ai été à Londres. On a fait pas mal d'événements, mais on n'avait pas de point fixe pour... voilà, je recevais pas mal de mails où on me demandait « Ou alors, allez-vous votre boutique ?» Donc pour les clients, ça paraissait normal d'avoir une boutique. Et on s'est dit « Voilà, il fallait un petit point de vente, mais bien placé dans Lille. » Et puis on a trouvé celui-ci, 5 rue de la Monnaie, donc c'est formidable. Et voilà, on est là depuis le 12 avril et puis on est très content. Comme j'ai la moustache, on a développé des gâteaux en forme de moustache. Donc chez nous, ça s'appelle la bacchante et le moustachu. Donc voilà, la bacchante, en fait, c'est comme un pavlova, c'est de la meringue avec une crème fouettée à la vanille bourbon et des fruits de saison. Là, en ce moment, c'est les premières fraises de France qui sont arrivées. Donc voilà, on met vraiment l'accent sur les produits de qualité. Là, c'est fruits de saison. Vraiment, voilà, produits naturels. Beurre d'Isigny AOP pour tout ce qui est produit chez nous. Et voilà, ensuite on a le moustachu. Et le moustachu, c'est pareil, donc c'est meringue avec une crème légère au gianduja. Ça, c'est un chocolat noisette italien, c'est super léger, super bon. Donc voilà, je vous invite à venir goûter nos nouveautés au 5 rue de la Monnaie, voilà, au petit Frenchy.